Je dors plus. Je suis incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. J'arrive plus à communiquer normalement. Et je sais pas comment faire pour me sortir de cet état. Ça va? C'est une amie de ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Je traverse au milieu de la rue, je l'ai pas vue. Aurélie, Aurélie, réponds-moi. Aurélie. J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé d'Aurélie morte dans sa tombe. Tu le savais, les maîtres. Et c'est bête parce que si elle était partie 10 minutes plus tard, ce serait pas arrivé. C'est moi qui l'ai obligée à partir précisément à ce moment-là. J'ai des flashs d'Aurélie qui me regardent avant de mourir, là. C'est insupportable. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Arrête tout le temps. Arrête. Mais ça fait chier. Merde. Oh là. J'essaye de t'aider, mais tu me laisses pas t'aider. Je l'avais dans les bras, et elle m'a regardé. Ça a duré plusieurs secondes. Et ses yeux... Bah, ses yeux se sont vidés. Et c'est ce regard que j'arrive pas à oublier. À la prochaine séance, nous pourrons aller encore plus loin. Une expérience de communication après la mort. Je préfère pas trop vous en parler. Le mieux, c'est de vivre l'expérience sans trop savoir en quoi elle consiste. J'ai pu voir Aurélie, lui parler. J'ai même pu la tenir dans mes bras. Je comprends pas ce que vous me dites. Elle m'a chargé de vous dire qu'elle va bien, qu'elle est heureuse et qu'elle est désolée d'avoir traversé la rue sans faire attention. Lost, I stumbled into your heart. I slowly became a part of everything that you.